Dieu est bon. Père, nous voulons te rendre gloire pour ces instants. Où nous voulons nourrir nos âmes, où tu veux nous instruire. Père, au nom de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce de disposer nos cœurs pour recevoir la semence de ta parole. Car il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Parle-nous ce soir. Parle à nos âmes. Parle au cœur de ces femmes. Seigneur, utilise-moi comme un simple instrument. Que tout ne vient de toi, parce que c'est ton peuple. Et ce que je vais apporter, Seigneur, ce soir, c'est aussi ta parole. Utilise-moi, je te prie. Que je me fasse, que Jésus-Christ puisse apparaître. Prête-moi tes mots. Prête-moi tout ce qu'il faut, Seigneur. Donne-moi toutes les capacités. Surnaturelles, intellectuelles, Seigneur. Naturelles, morales. Seigneur, je te prie pour annoncer ta parole. La force, la puissance, l'onction, la sagesse de l'intelligence me soit communiquée dans le nom de Jésus-Christ. Toute force de l'enfer qui veut s'opposer à la parole de Dieu. Commence à prier, bagage et aller là où il n'y a pas de vie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta bonté au nom de Jésus. Merci de guérir les malades, de toucher encore quelqu'un parce que ta parole est puissante. La gloire te révèle au nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il faut savoir participer. Amen. 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 L'Éternel est bon. Amen. Nous continuons, nous allons finir le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Nous allons finir ce mois-ci sur notre thème de la prière. Et notre sous-thème, c'est les obstacles à l'exaucement de nos prières. C'est ça, non? Amen. Les obstacles à l'exaucement de nos prières. Que Dieu soit loué. Amen. Ce que tu dois comprendre étant qu'enfant de Dieu, si tu l'es, hein, si tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre que Dieu est ton père. Amen. Dieu est ton papa. Amen. Dieu est ton père. Le créateur du ciel et de la terre, c'est celui-là qui est ton père. Amen. Et ce Dieu-là, il est un bon Dieu. Amen. Il est vraiment un bon Dieu. Amen. Amen. Donc, quand tu pries, Dieu t'écoute. Amen. Normalement, dans la doctrine fondamentale, selon les Écritures, Dieu écoute ses enfants. Amen. Amen. Dieu écoute ses enfants. Mais il y a des choses qui font que quand nous prions des fois, Dieu ne nous écoute pas. Amen. Donc nous allons prendre Luc 18, du 1er jusqu'au 8e verset. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous tenir pour honorer la parole de Dieu. Nous tenons debout de vous. Donc quand tu veux prendre, tu peux lire. Je lis au nom de Jésus, Luc 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce qui dit les juges, inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. 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 Que Dieu soit loué. Il dit que quand le Fils de l'homme viendra, vous pouvez vous asseoir dans sa glorieuse présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci pour sa parole. Amen. Merci pour sa parole. Avant de parler des points que nous allons aborder ce soir, nous devons récapituler d'abord ce que nous avons dit. Amen. Amen. J'ai compris des choses que vous ne comprenez pas, vous n'écoutez pas bien la parole. Vous ne prêtez pas vraiment assez votre attention quand la parole de Dieu proclame. Parce que c'est seulement le dimanche qu'on a prêché sur la foi, mais j'ai entendu quelque chose qui m'a dit que vous n'avez pas compris le message du dimanche dernier. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas crier. Il ne faut pas crier. Amen. On nous a prêché qu'on ne prie pas pour la foi. C'est ça, amen. Non? Amen. C'est ça, non? Amen. Donc, quand on a lancé le sujet de prêcher, vous avez prié, touche, vous n'avez rien compris. On ne prie pas pour la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. On ne demande pas à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi. Non. Il faut bien comprendre. Hein? Amen. On nous a prêché sur ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses, quand nous répétons la même chose, Paul a dit que si je vous répète toujours la même chose, parce que cela est salutaire pour vous. C'est très important. Ouvrez vos oreilles. Il faut tout faire que tes pensées n'aillent pas ailleurs. Parce que sinon, si tu viens, tu es venu perdre ton temps.
Donc nous avons dit qu'il y a des choses qui font obstacle à nos prières. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons dit que c'était le manque d'action de grâce. Ça, c'était bien compris. Parce qu'on nous avait déjà prêché sur les actions de grâce. Nous avons dit qu'il y avait le péché. Amen. Amen. Le péché provoque toujours une perte dans ta vie. Quand tu pèches. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne marche pas, qui ne vit pas dans le péché. Mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui peut tomber dans le péché, qui peut tomber dans quelque chose qu'on ne souhaite pas. C'est comme un accident. Tu peux pas, quelqu'un ne peut pas prendre sa voiture et se mettre dans la tête que je prends la voiture pour aller faire un accident. Ça n'arrive jamais. Personne, bien-aimé, n'aime faire un accident. Nous détestons tous les accidents de routier. Amen. Donc, si un enfant de Dieu vit volontairement dans le péché, il faut d'abord se rendre compte d'abord. Il faut que tu t'examines. Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Si tu es à l'aise dans le péché, tu dois bien aimer t'examiner. Un enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise dans le péché. Non, jamais. Un enfant de Dieu, bien aimé, le péché doit te rendre mal à l'aise. Et à savoir que toi qui fais la tête dure, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, c'est leur corps qui vient à l'église, mais le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Si vous faites votre tête dure, bien, mais c'est vous qui perdez, ce n'est pas l'église. Même pas le pasteur. Beaucoup disent non, le pasteur, il se promène pour rien. Non, lui, il fait son rôle. Amen. Il fait son travail de prêcher. Amen. Mais toi, maintenant, à qui on prêche, c'est toi qui es en train de perdre ton temps. À chaque fois que vous amenez votre corps, bien aimé, dans l'impudicité, vous êtes en train de perdre. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 6, 13. Amen. Que nul ne s'abuse lui-même. Notre corps est sacré. Pourquoi il est sacré? Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Tu dois comprendre ça, ton corps est sacré. Voilà pourquoi tu ne peux pas amener ton corps n'importe où. Tu ne peux pas amener ton corps dans les traditions, dans les coutumes. Parce que beaucoup de ceux-là qui sont atterris en Afrique, on a souvent des coutumes qui sont bizarres. Tu vas ramener ton corps pour qu'on puisse te faire des tatouages. Pourquoi? Parce que c'est une cérémonie, parce que tout le monde qui veut se marier dans la famille, il y a des cérémonies. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce sont des choses à refuser. Et quand vous le faites, vous faites rentrer aussi les démons dans vos corps. Donc ne ramène pas ton corps, ne dites pas que voilà pourquoi. La Bible nous dit que les rapports sexuels, tout simplement Dieu l'a permis dans le cadre du mariage. Quelqu'un qui n'est pas ton mari, tu ne peux pas coucher avec cette personne. Tu ne peux pas coucher avec lui. Quelles que soient les raisons qu'il peut te donner. Et c'est ça notre rôle, étant que femme dans cette église, d'encadrer, de parler aux jeunes filles qui ne viennent pas. N'allez pas les pousser, comme je disais le mercredi dernier. N'allez pas demander à une jeune fille que tu sais que c'est une jeune fille qui commence avec le Seigneur. N'allez pas lui demander, est-ce que toi tu n'as pas un copain? Ça ne se fait pas. Ce sont des choses, bien aimées, que nous devons éviter. Et quelqu'un qui travaille comme ça, vous savez, il y a des gens, Jésus l'a dit, Jésus parlait aux pharisiens, il y a des gens qui ne veulent pas, qui savent, et ils savent exactement, ils savent vraiment au fond d'eux qu'ils ne vont pas aller au ciel. Mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas aller au ciel, en enfer tout seul. Ils cherchent à empêcher les gens qui sont engagés pour aller au ciel, ils veulent les empêcher pour les entraîner. C'est la mission du diable, parce que le diable pouvait descendre, Lucifer pouvait descendre seul, mais il a dit qu'il fallait qu'il a tué un tiers des anges. Quelqu'un qui fait le mal, il n'a jamais été seul. Quelqu'un qui veut se rébeller, il cherche toujours d'autres personnes. Le mal, voilà pourquoi même pour la mort de Jésus, avec le cas Hérode et Pilate se sont réunis, ennemis qu'ils étaient. Donc en faisant le mal, si quelqu'un veut faire le mal, il a toujours besoin d'un tiers personne. Il a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Il faut éviter ça. Bien-aimé, il faut chérir votre corps. Il faut chérir votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. N'allez pas mettre les produits là que tu sais que ça va te faire. Ça peut nuire à ta santé un jour. C'est pas bon. Il faut entretenir son corps dans le bon sens. Dans le bon sens. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ça, ce sont des péchés. Je peux dire, les péchés, Jésus est en train de dire dans 1 Corinthiens 6 que celui qui pêche contre son corps, il pêche même contre lui-même. C'est un péché que tu fais contre toi-même. Alors qu'il y a des péchés que nous commettons, nous faisons ça bien aimé aux autres. Ce sont des péchés que je vais dire extérieurs, mais des péchés intérieurs. Tu t'abuses toi-même. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. N'allez pas ramener vos corps dans les boîtes de nuit. Amen. Un enfant de Dieu, quand tu es converti, tout doit se convertir. Amen.
Ça n'existe pas. Je suis encore un pied dedans, un pied dehors. Ça n'existe pas. Ça, ce sont des adages bien même mondains. Ça n'existe pas. Où tu es avec Dieu, où tu es avec le monde. Dieu n'est pas partagé. Les dimanches à l'église, les samedis dans le bois, les nuits dans les ganga. En fait, tu es là-bas. Dans, à l'église, tu viens tout simplement faire, marquer ta présence. C'est tout. Mais en réalité, pourquoi? Parce que ton corps, ton cœur est de l'autre côté. La Bible dit que là où est ton trésor, si Dieu est ton trésor, l'église, parce qu'on ne voit pas Dieu. Amen. Dieu est esprit. Nous voyons Dieu, nous exprimons notre amour pour Dieu en venant à l'église. Et toi, la même personne qui vient à l'église, c'est la même personne aussi qui va dans les boîtes de nuit. Là aussi, je te dis bien aimé. Tu sais, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par un démon. Écoute-moi. Un enfant de Dieu n'est pas possédé par un démon. Non. Pourquoi? Parce que dans ton esprit réside le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu peut être oppressé. Les démons peuvent t'oppresser. Mais tout simplement te posséder, non. Mais quand vous allez dans ces lieux-là, c'est là où vous ouvrez les portes aux démons. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent passer délivrant sur délivrant. Mais quels sont ces démons-là qui ne te quittent jamais? Il est dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. Donc comme un fleuve, il peut venir comme un fleuve. L'esprit de l'éternel qui est en toi le mettra en fuite. Mais il ne faut pas que tu ouvres la porte. Attention au péché. Et ce n'est pas tout simplement le péché sexuel que la Bible nous parle. Mais les péchés envers bien-aimés sont semblables. La Bible dit qu'ayez en vous les sentiments et les pensées de Christ. Donc c'est-à-dire que tu dois considérer ton semblable comme toi-même. Quels sont les sentiments que tu as envers ton semblable? Comment tu le vois? Est-ce que tel que Dieu le voit ou bien tu méprises la personne? Amen. La haine, la méchanceté, le manque de pardon, toutes ces choses-là, Dieu regarde à tout ça. Parce qu'on peut beau sourire, on peut être gentil, parce qu'il y a des gens qui réclament ça quand on lui dit qu'il est gentil. Est-ce que vraiment cette gentillesse là vient du cœur? Ouais. Quelqu'un d'autre ne sourit pas, mais quelqu'un qui a un bon cœur. Le sourire n'est pas synonyme d'un bon cœur, je vous dis vrai. Pas synonyme d'un bon cœur. Parce qu'on peut sourire et être hypocrite, méchant même, sorcier même à l'intérieur. Amen. Que Dieu nous aide. Le péché t'empêche, bien aimé, empêche l'exaucement de nos prières. Les prières, bien aimé, la prière qu'un pécheur peut faire, tout simplement, c'est la prière de repentance. Tu te repens de ton péché. La Bible dit que c'est lui qui avoue son péché. Elle le délaisse. Parce qu'on peut avouer sans délaisser. Mais il faut avouer et délaisser. Ne cherchez même pas à tomber dans le péché, parce qu'on peut tomber sans se relever. Cherchez toujours bien aimé par la grâce de Dieu, à compter sur la grâce de Dieu, la justice des cieux. Parce que Christ n'a pas commis le péché, toi aussi tu peux vivre aussi comme ça. Par la grâce de Dieu, je vous dis vrai. Parce qu'il était 100% Dieu, il était 100% homme. Et il a vécu bien aimé 33 ans, et tant qu'homme, il n'a pas tombé. On va dire que non, mais comment ça se fait? Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Comment? C'est pour ça que je dis les choses. Quelqu'un qui me posait une question, une servante de Dieu, c'est pitié de lui-même. Ça fait pitié des choses que vous voyez, vous pensez que telle personne est mature, telle personne, parce qu'elle porte, je ne sais pas, un titre, je ne sais pas, de prophétesse, de bishop. Ça, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la connaissance qu'on peut avoir de Dieu. Comment tu peux aller demander, mais un frère qui est célibataire à 35 ans, mais comment il va faire? Comment il va faire comment? Jésus faisait comment? Amen. Tu envoies des gens où? Amen. Ces gens de prédication, des péchés, on ne touche plus dans les églises. Les gens vont partir. Quand vous achetez les objets volés, bien que ce sont les démons qui vous amènent à la maison. Amen. Vos prières s'arrêtent au plafond. Amen. Non, parce que c'est moins cher. Cette personne-là n'a pas ouvert de sa boutique pour toi. Amen. Tu es contre ça. Amen. Tu es contre ça. Même l'État français est contre Amen. Ça. Amen. Votre maison est devenue un dépotoir. Là où on vient déposer des choses volées. Et toi aussi, tu non, garde pour moi. Et ta conscience, elle a dit que ces objets-là, c'est volé. Mais tu fais semblant. Tu fais semblant. Ce sont les démons que vous amassiez chez vous à la maison. Et c'est bon. Voilà pourquoi il m'a donné même la vie des enfants commence à être agitée. Quelles sont les choses qui sont chez vous à la maison? Parce que Jésus a dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Il faut que ta maison aussi soit sacrée. Définitivement, tout dans ta maison soit sacré. Si tu reconnais que cette chose-là, bien que tu l'as volée, va jeter, va mettre dehors. Parce que le diable va te réclamer. On dit toujours les réclamations, réclamations. Non, il faut refuser ça.
Non, Pierre a été réclamé. Pierre a été réclamé combien de fois? Une fois. Pourquoi toi, c'est tout le temps, il n'y a que toi qu'on réclame. On réclamation, force et maléfique, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, et de la maison, et de la maison. Il n'y a que toi qu'on réclame. C'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose de diable qui est en toi. Voilà, le diable vient parce qu'il y a quelque chose de lui qui t'attire, qui l'attire. Il faut se débarrasser de ces choses. Évitez la haine, évitez la méchanceté dans votre cœur. Que votre cœur soit vraiment un cœur vraiment qui est bien, un cœur, le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois avoir le cœur de ton Père. Dieu est bon, acclame le Seigneur. Merci Jésus. Nous avons aussi parlé de la foi. La foi, je vais juste survoler parce que comme on est sur les thèmes du dimanche, donc je n'ai pas, je dirai pas beaucoup, beaucoup de choses. Que Dieu soit loué. Donc là, ce soir, nous allons parler de l'incrédulité, voilà, l'incrédulité, le doute, le contraire de la foi. Ce soir, nous allons parler sur le manque de persévérance. Amen. Manque de persévérance, c'est le texte que nous venons de lire dans Luc 18. Amen. Persévérer, c'est persister, c'est poursuivre. Ça, c'est la définition selon la Rousse de la persévérance. En fait, ce que vous allez remarquer, la foi et la persévérance vont ensemble. Amen. La foi et la persévérance vont ensemble. Quelqu'un qui a la foi, c'est celui-là qui persévère. Et celui qui persévère, c'est parce qu'il a la foi. Alléluia. Celui qui persévère, c'est parce qu'il a la foi. Donc, il faut persévérer malgré les difficultés et les afflictions de la vie. La persévérance dans la prière. C'est-à-dire que quand on parle tout simplement de la persévérance, tu peux persévérer à autre chose. Mais nous parlons, comme nous parlons sur la prière, nous parlons de la persévérance dans la prière. La parabole que Jésus a donnée dans Luc 18. Amen, amen, amen. Cette parabole parle d'un juge. Un juge foncièrement méchant, foncièrement mauvais. Et ce juge-là, je vais te dire qu'il n'est pas comparé à Dieu. Amen. Jésus ne l'a pas comparé à Dieu. Non, non, non. Il n'a pas donné cette parabole pour comparer cet homme-là avec Dieu. Non. Jésus voulait tout simplement dire qu'il est l'opposé de Dieu. C'est-à-dire que mauvais qu'il est, méchant qu'il était, alors qu'il y avait la veuve qui venait l'importuner, et il a rendu justice à cette femme veuve. Et il a rendu justice non pas parce qu'il avait du respect pour Dieu, non plus parce qu'il avait de la compassion envers cette femme-là, non. Parce que tout simplement, cette femme-là l'importunait. Et Jésus est en train de dire que voilà cet homme-là inique. Donc, un homme plein de péchés, plein d'iniquités. Si mauvais qu'il est, il essaye quand même de faire justice, quand même qu'il n'avait pas le respect pour Dieu. Il a rendu justice. Et Jésus est en train de comparer, il fait l'opposé de cet homme-là. Et à combien plus forte raison votre Dieu, qui est si bon, qui est amour, qui est miséricordieux, ne peut pas écouter et répondre aux prières de ses enfants. Alléluia. Donc cette personne-là, bien-aimée, mauvaise qu'elle était, le juge mauvais qu'il était, foncièrement mauvais, mais parce que cette femme-là persévérait. Rends-moi justice, fais-moi justice de la partie adverse. La Bible déclare qu'il était agacé. Cette femme-là commençait à l'ennuyer. Il a tranché l'affaire. Mais la combien plus forte raison, le Dieu que nous prions. Bien aimé, la relation que tu vas bâtir avec Dieu va être la relation de confiance. Amen. Si tu n'as pas confiance à ce Dieu-là qui t'a sauvé, à ce Dieu-là que tu as envie de suivre, à ce Dieu-là que tu as envie de servir, ça va être compliqué pour toi, ça va être compliqué. Des fois, nous disons que non, avec Dieu, ça tarde. Mais Dieu connaît. Il connaît, il prend patience. Il sait pourquoi j'attends encore pour telle personne. Et quand on ne persévère pas, bien aimé, nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que tu t'es dit que j'ai prié une seule fois. Donc tu es tombé dans le découragement. Dire que non, j'ai prié, il n'a pas répondu. Vous savez, il y a des gens qui ont déjà rompu en silence avec Dieu. Ils viennent à l'église, ils font l'apparence. Mais à l'intérieur, il y a déjà eu coupure. Il y a déjà eu division, il y a déjà eu divorce avec le Seigneur. Quand nous regardons Marie et Joseph, Marie et Joseph, ils avaient rompu. Hein, parce que Joseph a trouvé sa fiancée enceinte. Il a dit que nous allons rompre en silence. Les gens ne connaissaient pas.
Mais c'était leur secret à eux. Mais on voyait toujours que les fiancés, jusqu'à ce que l'ange ait visité encore Joseph. Et beaucoup dans les églises ont rompu. On les voit un peu gênés, chaud là, pendant l'adoration. Mais au fond, la relation, la communion avec le Seigneur est déjà rompue. Pourquoi? Vous avez été découragé. Vous n'avez pas persévéré. Quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui a la foi en sa première prière. Amen. Et tu continues à avoir cette foi-là jusqu'à l'exaucement. Tu continues parce qu'il y a beaucoup, quand ils prient pour la première fois, ils sentent la chair des poules. Ils disent, ah, vraiment ça, je pense vraiment que Dieu a écouté. Mais quand la chose ne vient pas, c'est là où maintenant ils commencent à se refroidir. Or, il faut persévérer. Est-ce que tu peux acclamer ça? C'est dans la persévérance. La Bible nous dit de là, 1 Samuel 12. Quand, comment elle s'appelle? Anne est en train de prier. Elle restait longtemps en prière dans la maison de Dieu. Regarde les femmes persévérantes dans la Bible. La Bible dit que chaque année, elle montait à Silo. Toi, peut-être que tu as fait seulement 2 retraites. Pardon, 2 retraites, tu es déjà fatigué. La Bible dit qu'elle partait tous les ans. Elle persévérait dans la prière. Elle priait. Ne dis pas que j'ai déjà prié. Oui, tu as déjà prié, mais où sont les résultats? Est-ce que tu as déjà vu les résultats? Tant que tu n'as pas vu les résultats, tu continues, tu persévères. Et cette persévérance-là, c'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Tu es en train de persévérer parce que tu crois en ce Dieu-là que si ce n'est pas, ça va marcher aujourd'hui. Demain, ça peut marcher. Amen. Alléluia. Amen. Si ça va marcher aujourd'hui, si ça ne marche pas demain, ça finira par marcher. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Il faut persévérer dans la prière. Persévère pour que tes enfants changent. Persévère pour gagner une âme. Persévère dans la prière. Je vous dis que ça paye. Dieu rémunère. Dieu entend nos prières. Tu peux prier pour quelqu'un qui aime. Tu vois, mais le problème, c'est quoi? La personne te vient en esprit. Mais tu ne veux pas. Tu as désobéissance même dans la prière. Le Saint-Esprit te parle, mais tu dis, non, arrête. Mais attends. Tu es dans la prière, tu penses que c'est pour rien que tu vois le visage de telle personne. Amen. De ta famille, de l'église. Continue à prier. Moi, je prie des fois pour les gens tellement que je leur non. J'ai entendu qu'ils ne veulent plus prier. Mais quand tu te pries, tu vois son image. Tu continues à prier, Un dimanche, je le vois, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Dieu écoute quand nous prions. Dieu veut que nous puissions persévérer. Lui-même, il patiente, bien, mais quand est-ce qu'il va nous donner la réponse? Le temps, c'est le temps de Dieu. Hein? C'est lui qui est le maître du temps, ce n'est pas nous. Hein? Il donne, la Bible dit qu'il fait toutes les choses bonnes en son temps, pas à notre temps. Maintenant, si tu ne veux pas rentrer dans le temps de Dieu, c'est là où il y a le souci. C'est là où on blâme Dieu. Mais comment ça se fait? Et moi, je prie, si ça continue comme ça, je vais pour moi abandonner. Tu vas abandonner, ça sera à ta perte. Tu ne vas rien perdre. Parce qu'il peut encore aller sauver. Il y a encore beaucoup de réserves. Il y a encore beaucoup de restes qui ne sont pas encore sauvés, nous dit la Bible. Donc, il peut toujours les toucher et les remplacer. Nous devons persévérer. Persévérer dans la prière. La Bible dit qu'elle restait longtemps. Cette femme-là, c'est pareil. Elle importunait ce juge-là. Mais toi, bien-aimé, combien de temps tu passes? La Bible dit qu'elle est la Bible. L'homme de la même nature que nous, il a prié avec instance. C'est-à-dire que je suis en train d'insister. Donc je frappe jusqu'à ce qu'il va m'ouvrir. Et qu'il soit là à l'intérieur ou pas, mais moi je frappe. Tu sais, la Bible déclare qu'il cherchait Dieu pendant qu'il se trouve. Invoquer les tandis qu'il est prêt. Il y a un moment donné, vous devez savoir que Dieu, c'est comme s'il était absent. Il y a un moment donné, Dieu se cache. Ouais. C'est pour ça qu'il dit que chercher, invoquer, mais il dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Pourquoi on doit le chercher s'il ne se cache pas? Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc il faut le chercher. Donc quelque part, Dieu se cache. Mais si toi, alors que tu as la promesse de Dieu, tu as la paix de Dieu, tu n'es pas persévérant dans la prière, il y a des choses qui ne seront pas automatiques, ma soeur. Ouais.
Tu as fait un rêve, tu priais pour les malades, les morts ressuscités. Tu penses que c'est automatique, quoi. Tu manges pour toi là, tu manges tilapia, tu manges gombo, je ne sais pas quoi, tu manges, tu es à l'aise là. Tu penses que puis, va imposer. Tu sais bien, tu vas vivre l'échec total. Ça demande bien de la persévérance dans la prière, de l'insistance. Tu dois prier pour que cette onction là soit libérée. Persévère. Parce que les gens n'ont pas la persévérance. Vous pensez que c'est facile de ramener quelqu'un qui était dans les ténèbres. Tu penses que c'est facile de le ramener dans la lumière. Il y a des prix à payer. Il faut persévérer dans la prière. Persévère, Seigneur. Lâche. Seigneur, sauve cette personne. Satan, tu le lâches. Seigneur, sauve-le. Mais si vous ne persévérez pas, vous faites toujours des prières flash. Voilà, vous savez, parce que tu as entendu quelque part, non, ce n'est pas des longues prières que Dieu exauce. Je vous ai dit la fois dernière, chacun bien aimé a son intimité avec Dieu. Amen. Fais attention, toi à ton niveau, fais des longues prières. Là, je te conseille, fais des longues prières. Ton cœur même n'est pas encore bien brisé. Si tu commences déjà, Dieu commence à faire dans le cours des prières, tu vas devenir pasteur. Amen. Continue bien aimé, continue à ça défonce, bien-aimé. Je vous ai dit, bien-aimé, l'homme est nourri par la parole. Amen. Ton esprit est nourri par la prière. Amen. La prière. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit que faites en tout temps. Dans l'esprit. Faites en tout temps. Les prières en esprit. Avec persévérance. Avec persévérance. Faites en tout temps, bien en esprit. Parce que ton esprit, voilà pourquoi beaucoup de gens, vous les voyez comme ça. Mais spirituellement, il est costaud. Son esprit est costaud. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse tomber bien-aimé pour rien. Pourquoi? Parce qu'il a une vie de prière. Il prie. Quelle que soit l'adversité, il est debout. Et quand il a dit de prier, bien-aimé, il associe sa prière à la parole de Dieu. Il a la subsistance. C'est la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient sans subsistance, sans parole. Il te faut la parole. Hein? Parce que Dieu se réfère à sa parole. Dieu se voit dans sa parole. Voilà pourquoi il a dit que nous puissions plonger nos regards à sa parole. Dès que Dieu a dit de te voir dans sa parole, c'est ce que toi tu vas de nous présenter aussi également. Persévère, tu ne pries pas. Le problème est que tu ne pries pas. Je ne parle pas de prier en ligne. Je suis désolé. Ça, ce sont des compléments alimentaires. Compléments, je vous ai dit que la foi de Dieu, ce sont des compléments alimentaires. Compléments alimentaires. Tu sais, si tu es malade, Si tu as un problème de santé et si tu es focalisé à prendre des compléments alimentaires, tu ne vas pas aller voir le médecin, tu vas mourir. Amen. On appelle ça complément. Donc tu dois avoir déjà un traitement en cours. Amen. Et les compléments alimentaires, je ne sais pas, les vitamines C, les collagènes, ça vient compléter. Amen. Vos prières en ligne ne vous poussent pas à avoir une vie de prière. Amen. Voilà pourquoi vous répétez tout ce qu'on vous dit là-bas, c'est tout ce que vous répétez. On a prié, c'est faire parler son cœur. Fait parler son cœur à Dieu. Amen. Mais oui, peut-être qu'on a une deuxième fille d'appel. Viens, ma fille, viens, on va causer. Viens, on va causer. Toi, tu attends à minuit. Non, à minuit, on va lancer, je ne sais pas quelle chaîne. On va lancer. Comme ça, on va prier. Et tu n'as jamais remarqué que le sujet de prier des fois ne correspond pas à ta vie. Amen. Tu vas te chercher encore des démons. Je te dis, frère. Tu vas aller chasser, non, entre dans la forêt. Toi, ton problème n'est pas dans la forêt. Tu vas rentrer là-bas, est-ce que tu vas sortir? C'est ça le problème. Voilà pourquoi tu commences à rayonner, et pour te voir, directement la soeur commence à devenir froide. Elle est restée dans une forêt, elle est là. Oh, que Dieu vous délivre, je vous dis bien. Tu sais, l'internet, bien, le diable est entré. Moi, je conseillerais aux gens, si tu n'es pas encore mature, fais attention. Faites attention à vos groupes là que vous savez, groupe de tête, tu ne sais pas. Les fondateurs de ce groupe là, tu ne sais pas. Peut-être c'est marabout lui-même, tête, tu sais. Ouais. Et puis prier en ligne, racataka. Tu sais que même les démons peuvent me parler en langue. Chandarababababa. Oh, les chandarababababa, c'est un envoûtement, ils ont dit de prendre là. Non, toi aussi, sous les sommeils, là, tu répètes après moi, randaraba, rakababa. Et puis amen, tu dors. Ça, c'est une vie de prière. Amen. Ça, c'est pas une vie de prière. Amen. Ça, ce n'est pas une vie de prière. Où est ton intimité avec le Saint-Esprit? Mais une intimité avec le Saint-Esprit. Où vous parlez de lui? Donc, tu es exploité. Des fois, les mots ne sortent pas. Mais la Bible, quand il intercède à nous par des soupirs inexprimables,
fait. Envoyez le feu. Envoyez. On a envoyé en carbine. Ils ne se brûlent jamais, ces gens-là, ces démons-là. On n'envoie pas le feu aux gens. Attention. Les sorciers-là que vous voyez, Dieu les aime. Hein. C'est leur esprit que nous attaquons, pas les personnes. Voilà pourquoi Jésus a dit de dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Il ne s'est pas adressé à Pierre, à la personne de Pierre, mais à l'esprit qui animait Pierre. Il y a des prières des enfants de Dieu font aussi des prières de sorciers, je vous dis. Des prières de sorciers. Tu veux la mort. Jésus dit que même nous devons prier même pour nos ennemis. Quelqu'un les confond, je suis encore d'accord. Mais ne plus, mais ici, imagine-toi que ces gens-là que tu envoies le feu, là, ce sont tes parents. Tu veux rester orphelin. Demande à Dieu de les sauver. Bien-aimé, tu sais quoi? La chose que tu vas me dire. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un touchant. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un touchant. Amen. Quelqu'un qui vit bien à l'Élysée là-bas, va attaquer cette personne, va attaquer cet enfant. C'est ça que vous devez comprendre. Un enfant de Dieu est intouchable. Amen. À moins que demain tu ouvres la porte. C'est ça. Enfant de Dieu, tu es intouchable. Personne ne peut te toucher. Amen. Aucun démon. Amen. Aucun démon. Amen. Donc tu peux faire une année sans prier de combat. Et tu dis. Amen. Il m'amène. Amen. Ouais. Amen. Tu peux rester une année dans l'adoration, dans la contemplation de l'Éternel. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, ils ont beaucoup plus la connaissance des démons. Que la connaissance de leur Père Céleste. Amen, amen. Que de l'aide de Jésus à la croix. Ils connaissent beaucoup plus. Non, quand je vois ceci, quand je vois quelqu'un avec ces regards-là, non, ça doit être l'esprit des crocodiles. Esprit des eaux. Ça, c'est l'esprit des eaux. Là, on est fort. C'est lamentable, bien. C'est lamentable. Et adorons les ténèbres. Et les bonnes voix. Rendons gloire. Mais c'est ce que tu viens de faire. C'est Dieu et c'est Jésus. Amen. C'est lui qui a tout accompli. C'est pas toi. C'est lui le grand vainqueur de Golgotha. C'est en son nom que nous chassons les démons. C'est pas à ton nom. Donc si les démons sont partis, c'est à cause du nom de Jésus. C'est à cause de la foi que tu as mis en ce nom-là. Alléluia. Donc quand on dit maintenant, oui, nous venons, nous devons maintenant élever nos voix, rendre gloire au Seigneur. Les voix. Ça baisse maintenant, Seigneur, je t'aime. Mais attends, ça me dépasse. Amen. Pourquoi quand il faut parler maintenant, il faut renverser du cul? Qui te dit que il faut toujours que c'est vrai qu'il faut prendre l'autorité. Mais la même vigueur, donne-la aussi pour remercier le Seigneur. Père, je te loue, je te rends grâce. Pourquoi vous ne le faites pas? Amen. Amen. Un enfant de Dieu est intouchable. Ça, je te dis encore. Qu'elle est rentrée dans ton esprit. Je ne sais pas quel est ce Dieu-là. Même des cas que mauvais comme vous l'êtes. Même les mauvaises personnes, ils donnent, mais ils veillent sur leurs enfants. Hein? Amen. Même les sorciers, ils veillent sur leurs enfants. Frapper l'enfant des sorciers, tu auras des problèmes avec elle. Tout à fait. Il va te ramener au tribunal. Mais maintenant, combien plus profond de raison, mais le Dieu Tout-Puissant ne te gardera-t-il pas? Amen. Toujours dans la peur, toujours dans la crainte. Qu'est-ce que je vais faire? Vous ne persévérez pas. Parce que non. Tu ne persévères pas dans la prière parce que tu as un groupe. WhatsApp, je ne sais pas quoi, un groupe. Bien, faites attention dans le temps où vous venez. Dans le temps où nous sommes. La séduction, le diable s'est libéré. Le diable ne combat pas le monde, parce que le monde lui appartient déjà. Il cherche les enfants de Dieu. Il sait qu'il ne peut pas te prendre dans l'impudicité. Tu as déjà quitté là-bas. Mais il va t'avoir tout simplement dans la parole que tu as donnée. Je sais que le diable. Il sait que tu aimes la prière. Mais il sait que tu n'arrives pas à développer seule ta vie de prière. Voilà pourquoi tu as combien de groupes que tu as. Mais c'est dangereux. Trois groupes, trois fois dans la semaine, deux fois dans la journée. Mais attends, voilà pourquoi les prières qui deviennent des prières mécaniques, mémorisées. Voilà. On va lancer, donc tu as des prières, tu as des tournées dans ma marmite. Envoyez, ah là là, oui, j'envoie, au nom de Jésus, j'envoie. Donc c'est les paroles, mais le cœur ne l'est pas. Mais les diables se moquent de toi. Persévère dans la prière, prends ton problème, présente devant Dieu. Appuie les bien-aimés avec la parole de Dieu. Ce n'est pas que tu as dit ça. Amen. Tu as la solution à mes problèmes. À l'époque de Anne, quel démon qu'il a chassé. À l'époque de Anne, bien-aimés, quelle était la force maléfique de la maison de son père? Quelle était la réclamation? Mais elle a persévéré. Son nom est là dans la Bible. Aujourd'hui, nous parlons d'elle.
Vous ne voulez pas persévérer. Vous ne voulez pas persévérer. Vous voulez que les choses soient du tic au tac. Ça peut être la Bible. Ça peut être comme ça aussi. Il y a des prières que Dieu répond comme regardons dans le livre de Daniel, je crois, Daniel 9. La Bible écrit qu'il y a des choses, il répond tout de suite. Il y a des choses, il prend son temps. Il prend sa patience. Il sait pourquoi. Voilà pourquoi là, au départ, je vous ai dit, il faut que vous ayez confiance en Dieu. Confiance. Il faut savoir en qui vous avez cru. Dis que c'est Dieu là qui est si bon. Qui ne m'a pas abandonné. Alors que tu étais encore péché, tu pouvais mourir dans l'impunité. Tu étais troisième femme de quelqu'un, non toi. Hein? Ta rivale là, c'est elle t'a réuni. Toi tu serais vivante devant toi. Vraiment. Tu sortais avec les hommes mariés. C'est Dieu là qui n'a pas permis bien, que tu sois malade. C'est Dieu là qui n'a pas permis que tu puisses mourir. Attends, fais-lui confiance quand même. Fais-lui confiance. Quand tu regardes ce qu'il a accompli à la croix, fais-lui confiance. Je vous disais que même il n'y a rien d'autre que Dieu peut te donner plus que Jésus. Il n'y a plus rien d'autre. La Bible déclare que son fils est dit qu'il a donné. Et nous avons tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. C'est en lui. Mais si vous ne voulez pas persévérer, vous persévérez dans la prière. Tu persévères, ça va changer. Si vous allez voir que beaucoup de gens, même quand tu pries, tu vas voir que beaucoup de gens, quand ils sont en train de prier, il a prié et la situation s'envenime. C'est là où il dit. Il dit que non, je laisse. Mais ça prouve que tes prières marchent. Parce que le diable riposte aussi. Il n'est pas idiot. Hein? Mais ce qui est sûr, que celui qui gagne, c'est Jésus. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Persévérer. Persévérer dans la prière. Même que Dieu pour le salut de ton âme. Jésus a dit quoi? Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Vous pensez quoi? Il faut persévérer. Il y a des gens qui disent que non, tu ne peux pas perdre ton salut. C'est comme, tu n'es blagué pas avec ça. Attends, on te donne bien aimé un cadeau. Si tu n'entretiens pas ça, et tu peux le perdre. Amen. Tu peux perdre ton salut. Amen. Ne dis pas non. Le sang de Jésus là, même si je couche à gauche, à droite, tant que j'ai Jésus, c'est Jésus là à qui tu as. Il est saint. Amen. Il veut la sanctification. Il t'a justifié, voilà pourquoi, parce qu'il t'a justifié par son sang. Il veut maintenant que tu démontres cette sainteté sur la terre. Que les hommes voient que non, toi tu as été justifié par son sang. Et tu es en train de démontrer cette sainteté par ton caractère, par ta façon d'être, par ta façon de faire. Oh, persévérer dans la prière. Insiste. Voilà pourquoi, à un moment donné, vous avez remarqué que vous avez sommeil. Vous ne pouvez pas prier. Mais ne cédez pas à la chair. Voilà pourquoi quand tu vas commencer, c'est comme une voiture, c'est comme un avion. Les 10 premières minutes, ça peut être dur. Mais après, tu seras toi-même étonné. Tu avais 2 heures du temps. Mais quand tu comprends déjà pour ce jour-là, les diables, attends, tu vois là, j'ai déjà compris. Prochaine fois, même si je sommeille, je vais continuer à prier. Il n'y a personne qui peut prier mieux que toi-même. Personne! Méfiez-vous des personnes que vous avez passées, je te soutiens dans la prière. Il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Je soutiens dans la prière. Et toi, tu es la peinard. Je sais que les groupes me soutiennent dans la prière. J'ai telle soeur, ma copine, me soutient dans la prière. Attends, au dos, tu vas péter les plombs. Que Dieu te garde. Amen. Que Dieu vienne te garde. Il faut faire attention. Ces choses de sa vie, fais confiance en toi. Amen. Seigneur, je prie, je t'expose. Parce qu'il y a des choses aussi qui sont secrètes. Pourquoi tu vas aller tout dire, il y a des choses, c'est même top secret entre toi et ton Père Céleste. Tu pries, tu insistes, sans la vie de prière. Tu as des choses en toi, ça ne peut pas sortir, c'est un don spirituel, ça ne peut pas fonctionner. Voilà pourquoi les gens qui ont des dons spirituels, qui n'ont pas la vie spirituelle, qui n'ont pas la vie de prière, ils manifestent ces dons dans la chair. C'est leur chair. Ils n'écoutent plus l'esprit, ils écoutent maintenant leurs sentiments, leurs émotions. Dieu est esprit. Amen. Et quand nous prions, bien aimé, la prière nous connecte notre esprit avec Dieu. Tu es en train de prier. C'est dans la prière que nous recevons le rhéma, des directives. Toi, depuis lors, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Comment tu vas entendre? Tu es toujours dans les groupes. Et c'est là où les prophéties. Hein, Dieu va te servir de toi. Quelqu'un m'a dit que Dieu va se servir de toi. Moi, ça m'étonne. Où sont
les prophètes comme les Jérémie, Ézéchiel sont ces gens-là, sont où? Où il va dire ce qu'il y a dans ton cœur. Réponds-toi, je vois un homme. Hier, tu as été avec un homme à l'antenne. Où sont ces prophètes-là? Ils ont peur de dire ça. Parce que si tu dis ça, tu n'auras pas l'offrande. Moi, si j'avais cet homme-là, ah, Seigneur. Vous allez rire vous-même. Il faut qu'il y ait ça. Mais tu es dans le groupe là, peut-être que tu es. Quand tu es en train de faire, quand tu es en train de prier en groupe là, le monsieur qui est avec toi au lit. Parce que maintenant, qui te voit? Tu vois, personne ne te voit, non? Tu es dans ta position allongée sous la couette là. Voilà, le monsieur là, répétez, racatatata. Mais maintenant, il va te dire que non, ma soeur, je vois l'onction de Dieu descendre sur toi. My God! Ça, mes gars. Que Dieu nous aide. L'onction de Dieu descend sur toi. Mais attends, attends, nous, tu as dit que mais c'est faux. Attends, il voit qu'il y a à côté de moi, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. C'est ça. Cherchez la parole de Dieu. Amen. Cherchez la parole. Cherchez à connaître Dieu. La parole de Dieu. La parole. Bien, la parole va vous faire tomber les écailles vos yeux. Je vous ai dit la fin de l'air, mais le péché t'empêche de commettre le péché. La prière t'empêche de commettre le péché. Et le péché t'empêche aussi à prier. C'est des choses. Voilà quelqu'un commence à vivre dans le péché. J'ai déjà remarqué ça. Vous allez remarquer. Quelqu'un qui était bien, qui était dans une bonne communion avec le Seigneur, il aime l'église. Il aime l'adoration. Il est là, il adore. Mais je vous dis une chose, vous allez expérimenter ça dans d'autres personnes, pas toi. Je ne veux pas que tu tombes dans le péché. Vous allez voir que quelqu'un qui tombe dans le péché, il commence à détester l'adoration. Il s'ennuie pendant l'adoration. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, c'est la sainteté de Dieu. C'est la sainteté de Dieu. Nous parlons. Nous confessons, nous prosternons devant la sainteté de Dieu. Il ne va pas aimer. Mais dans le péché, mets la louange. Yéwani. Yéwani. Voilà. Là, voilà. Voilà, c'est ça, ça c'est bien. Et puis ça passe. Mais c'est moi l'adoration. Saint-Esprit, je t'adore. Là, il commence à regarder. Il est quelle heure? Je vous dis vrai. Le péché t'empêche de prier. Si tu viens de se disputer avec ton mari, mais quand tu vas t'agir, la première chose que tu vas faire, cherche la réconciliation. Alléluia. Avec les saints. Cherche à régler. Alléluia. Mais sinon, toi-même, tu sais que tu vas. Bien, mais le temps de sera long. C'est ça. Amen. Tu es en train de prier et puis tu ne sais même plus qu'est-ce que tu dis. Amen. Tu vas commencer à sortir des insultes dans tes prières. Parce que ton cœur est brisé. Amen. Tu ne peux pas. Amen. Mais quand bien, mais tu es en paix, en paix avec Dieu, en paix avec les hommes, regarde combien ça coûte. Amen. Tu regardes combien c'est merveilleux dans la présence. C'est glorieux dans sa présence. Amen, amen. Il faut persévérer, persévérer dans la prière. Ce que tu veux, ce que tu as demandé à Dieu, tu n'as pas encore vu. Continue. Amen. Si Anne s'est arrêtée tout simplement à une année à Silo, il est parti, elle est partie une année à Silo. Donc, tu es venu une seule fois à la retraite, Dieu ne l'a pas fait. Samuel ne serait pas là. Amen. Elle montait tous les ans. Persévère. Organise-toi, mets tes heures de prière. Mets d'abord cette histoire-là. Je ne sais pas si ces patients-là seront d'accord avec moi, mais moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu, comme Paul. Amen. Si vous discutez avec moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. Amen. Je commence à devenir comme l'apôtre Paul. Amen. Ouais. Amen. Laissez les gens apprendre à parler à Dieu. Amen. Laissez les Dieu et les vies de tout le monde. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Il faut apprendre, j'ai dit, ma soeur, va prier. Prends tel verset, va prier. Prie ton Dieu, il va faire. Non, ma soeur, appelle-moi dans tes lèvres. On va prier. Oui, tu peux l'aider une fois, deux fois, après. Laisse-la. Laisse-la continuer. Ça, ce n'est pas une vie de prière. Cultivez votre vie de prière pour persévérer. Seigneur, je te demande. Je te demande, fais ceci pour mon enfant. Fais ceci pour ma vie. Et quand tu vas voir ça, ça va te rassurer encore. Tu vas te dire que non, Seigneur, quand je prie, Dieu m'écoute. Il a dit que nous avons de l'assurance auprès de lui. Mais c'est que quand nous demandons quelque chose, selon sa volonté, Dieu nous écoute. Selon sa volonté. Ne demandez pas ma convoitise. Ne demandez pas ma convoitise. Demandez tout simplement parce que Dieu répond aux besoins, pas forcément aux désirs. Parce qu'il y a
adore. Notre désir de foi, ça ne glorifie pas Dieu. J'ai le désir d'avoir les longs, mais ça, ce sont des désirs. Mais le besoin, c'est le pain quotidien. Que tu ne sois pas dehors. Que tu manges, que tu bois. Ça, c'est déjà priorité. Amen. Et nous persévérons. La Bible déclare que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Jésus a dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherche premièrement le royaume des cieux. Comment ça se fait que quand on prêche la parole de Dieu, toi tu oublies? Persévère, c'est des changements. C'est que je vais commencer aussi à retenir le verset. Ça, on le parle dans la prière. C'est dans la prière. C'est dire, mais quel est ce genre de femme que je suis? Quel est ce genre de caractère que j'ai? C'est dire pourquoi je m'énerve pour rien? Délivre-moi. Ça, c'est dans la prière. Aujourd'hui, on ne va pas toucher le sujet de prière. Chasse, ma soeur, je vois qu'il y a un esprit de colère en toi. Non, ça, ça, il n'y a pas. Je sais, ma soeur, je vois une bénédiction qui arrive. Je vois, il n'y a que ça. Et depuis qu'on a commencé à te dire ça, c'est ça le problème. Où est la manifestation? Priez, bien-aimé, persévère toi-même dans la prière, tu as de persévérer. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Le salut d'abord de ton âme. Pour que tu ne sois pas déçu un jour. Dieu sait faire des calculs. Il a dit d'abord, premièrement, le royaume. Cherche d'abord à connaître, à naître d'abord de nouveau. Que ton esprit soit recréé. Que les états tombent de tes yeux. Que tu commences à comprendre qui est Dieu. D'abord ça. Le royaume de Dieu. Sa parole. Regarde ton caractère. Est-ce que ça va le père avec le fruit de l'esprit? Commence à traverser le fruit de l'esprit. C'est en prière. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est que je viens devant toi, il y a que toi, c'est le qui peut m'aider. Il y a des gens qui sont impulsifs, chrétiens. Après savoir, voilà, les bilans, ils sont venus. Voilà. Il faut tout enlever, quoi. Il faut tout écarter. Écarter parce que, hey, quand ça commence, il faut enlever. Il y a les couteaux, il faut enlever. Avant de tuer. C'est quel genre de démon? Dis-moi, amen. Un mauvais esprit, hein. Tu as des colères bizarres. Est-ce que par hasard tu ne suivais pas un cachet? Et qui était dans le mystique, je vous dis vrai. Il fait comme ça, tu tombes, quand il ne peut pas commencer à trembler, tout le monde a été tombé. Il faut travailler cela parce que la colère peut t'empêcher de te fermer beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Et ça va te faire tourner en rond. La télé, toi-même, tu as acheté, tu n'as pas encore fini de payer. Tu as déjà cassé ça. De la colère. Tu n'avances pas, tu recules. Amen. Travaille, c'est là. Travaille, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu, Seigneur? Parce que pourquoi tu dis que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu? Cherchez d'abord à connaître Dieu. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire que tu es déjà, quand on est né de nouveau, on est rentré dans le royaume de Dieu. Maintenant, la justice, c'est connaître les lois de ce royaume-là. Or, les lois de ce royaume-là, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tu es déjà dans le royaume de Dieu. Si, dis-moi, tu es né de nouveau. Tu es dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Paul a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi je reprends encore qu'un enfant de Dieu est un touchable. Parce que tu es dans le Seigneur, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu as été mis à part. Marche avec ça. Les démons te diront baba. La vie des cas que soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il va faire quoi? Il va fuir. Retiens de tels versets. Je me soumets à Dieu. Je résiste à Satan par la foi. Et il va fuir. Mais si tu ne te soumets pas à Dieu au départ, voilà pourquoi on est toujours dans le combat. Je chasse les mauvais rêves. Comme je disais, la foi de l'ami, mais Dieu, des fois, hein, il peut permettre que tu aies de mauvais rêves. Parce qu'il sait que toi, quand les lions. Les éléphants te suivent, c'est là où tu vas sous ses pieds. Mais quand tout va bien, tu dors paisiblement. Le matin, chérie, disons, les enfants me disent, oh, oh, la vie est belle. On a oublié la prière. Là, on a oublié la prière. Ça, c'est les prières flash. Il y a prière des soeurs à l'église. Oh, non, je viendrai le mercredi prochain. Non, tout va bien. Parce que quoi? Tout va bien. Mais quand les éléphants commencent à venir la nuit, c'est là maintenant. L'éléphant qui pèse si lourd, mais quand je te pousse, tu cours. Dieu, par sa grâce, il t'attrape jamais, tu te réveilles. Quand tu vas te réveiller, c'est là où maintenant tu vas chercher Dieu. Ah, je vais prier. Et toujours,
dans le combat. Donc, je ne sais pas quelque chose. Nous le faisons. On fait le prier le combat. Mais il faut savoir demander. Il faut savoir supplier Dieu. Philippiens 4, ça avait déclaré que en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dans la prière, la supplication. Supplier Dieu, Seigneur, si tu me laisses. C'est une façon de parler. Si tu me laisses, mais Dieu ne laisse jamais. Seigneur, si tu n'interviens pas, Seigneur, je n'ai que toi. C'est ça la supplication. Seigneur, je t'en supplie. Agis, agis, Seigneur. Sinon, on va me mettre dehors. Seigneur, incline-toi. Ça, c'est la supplication. Seigneur, je t'en supplie, viens intervenir. On supplie. Mais après, tu peux prendre l'autorité. Mais si depuis 3 heures du temps, autorité, je renverse, je fais ceci. Mais il faut que tu sois, il faut que tu rentres dans la vie. Il faut que vous ayez une vie de sanctification. Alléluia. Parce que beaucoup ont commencé à prier des combats, leur vie bien-aimée ne vont pas du tout. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le diable pense aussi. Quand tu vas envoyer le feu là, les forces maléfiques qui dorment, c'est comme bien-aimé les abeilles qui sont ensemble. Voilà. Toi, tu vas les mettre quelque chose là, tu vas les piquer. Ils vont s'envoler, ils vont se retourner contre toi. Donc, si tu es en Christ, et Jésus est ton bouclier, mais ils ne vont rien te faire. Mais si tu as une vie de niamoniam, c'est ma foi. C'est compliqué. Hein? Que Dieu nous fasse grâce. Cultive ta vie de prière. Persévère. Je ne connais pas ton besoin. Persévère. Même pour la guérison, on doit persévérer. Un enfant de Dieu doit toujours être en bonne santé. Si ça ne parle pas, persévère. Seigneur, ce n'est pas possible. Mais comment je vais t'adorer? Tout ça là, tu vas vers Dieu, tu supplies Dieu. Seigneur, quand je suis en bonne santé, je peux m'agenouiller 2 heures du temps. Maintenant, la maladie m'empêche de t'adorer. Seigneur, fais quelque chose. C'est la supplication. Seigneur, intervient. Je ne peux pas crier parce que j'aime les. Mais quand tu parles à Dieu, il va te guérir. Parce qu'il est derrière sa parole. Acclame le Seigneur. Merci. Merci Seigneur.